Bonjour mes amis. Et bienvenue chez vous. Merci de m'accueillir chez vous pour la carte du petit déjeuner et voir un petit peu les énergies de ce jour, mes amis. J'ai un chien entre les pieds. Bon, faut pas qu'on se réveille, hein. J'espère que tout le monde va bien, que vous êtes en forme et que tout le monde a passé une très belle journée. Je me réveille. Hop. Alors. Ah, une carte est tombée, je vais la prendre. Mets mes lunettes. Hop. Le 9 de bâton. Voilà, voilà, les amis. Alors, le 9 de bâton, qu'est-ce qu'il va nous dire? Alors, le 9 de bâton, en fait, il va nous parler ici, on est sur la défensive, en fait, vous voyez, vous allez peut-être vouloir garder ce que vous avez acquis. Vous êtes vraiment sur la défensive, vous n'avez pas envie qu'on vous prenne ce qui vous appartient. Ça va parler aussi de violence, peut-être, de quelque chose qui est solide. Donc, vous avez vraiment envie de... Ça parlait aussi de frontières. Donc, vous allez vraiment vous mettre en avant comme cela pour justement qu'on n'avance pas et qu'on laisse tranquille ce que vous avez acquis, ce qui vous appartient. Comme, en fait, les bâtons, c'est la patience, c'est l'action, c'est aussi la rapidité, c'est aussi l'élément... les bâtons, c'est le signe de feu. C'est le feu, l'énergie du feu. Donc, ici, c'est vraiment... on va vraiment avoir le sentiment aujourd'hui de devoir vraiment être sur la défensive. Vraiment. D'être vigilant, de faire attention. Donc, vraiment... On va vraiment se méfier un petit peu de ce qu'il se passe, de ce qu'il pourrait se passer. Parce que, ben, tout simplement, on n'a pas envie qu'on nous prenne ce que nous avons, tout simplement, voilà. Ça va être un sentiment comme ça. Donc, vous allez passer une journée peut-être un petit peu aux aguets, pour ne pas qu'on vous... Pour ne pas avoir... Vous n'avez pas vraiment envie de tourner le dos, de peur qu'on vous... Qu'on vous plante un coup de couteau dans le dos, en fait. Voilà. Donc, ce sera... C'est une énergie là, ouais. Et j'ai pris donc pour ça, j'ai pris le Rider-Waite, le Radiant, dans la tin, dans la boîte, parce que je pense continuer la semaine avec des petites boîtes. Donc voilà, voilà. Donc, et c'est vraiment, on va protéger ce que nous avons, notre progéniture. On va peut-être aussi protéger notre non, c'est pas le mental ici, hein. Le mental, c'est les épées. Non, c'est vraiment la protection de... C'est le corps aussi, les bâtons. Donc, vous allez peut-être protéger votre corps. Ou avoir la sensation de devoir vous défendre, peut-être. Avoir la sensation de devoir défendre votre corps. Il n'y a pas de bagarre, hein. Il n'y a pas de bagarre ni de dispute. En tout cas, ça ne parle pas vraiment de ça. C'est simplement vous qui allez vous ancrer et être prêt ou prête à parer le coup, tout simplement. À parer le coup qu'on va vous donner parce qu'on veut vous faire tomber pour aller chercher ce qu'il y a derrière. Ça peut être aussi... Je voulais dire un peu mental aussi, mais non. Quoique, on pourrait parler comme c'est général, ça pourrait être aussi votre mental. Peut-être que vous n'arrivez pas à... vous n'arrivez peut-être pas à vous laisser... à vous libérer de quelque chose. Parce que vous avez toujours l'impression aussi de devoir
vous justifier peut-être aussi, sensation de devoir se justifier, oui, ça peut être ça aussi. Sensation de devoir se justifier peut-être aussi. En tous les cas, voilà, vous allez être sur la défensive, principalement aujourd'hui, les amis. Donc, avec ce petit jeu, je ne vous ai même pas présenté. Avec ce dos-là, avec une belle bordure derrière. Bon. Alors, pour la carte, j'ai pas préparé mon jeu. Je vais prendre mon oracle sans nom. Pour la carte d'énergie de l'amour. Donc, vous connaissez maintenant ce jeu-là, avec ces images-là. Beaucoup d'amour hein, pour le moment. Mais je crois que c'est un peu lunaire. Hein, la lune, pour le moment, elle nous met dans ces énergies-là. Tromperie. Amoureux. Douceur. Il faut faire gaffe un peu. Je crois que c'est pour le premier mois de l'été. C'est comme ça. Attention, les amis. À force de jouer avec le feu, on se brûle. Allez, qu'est-ce que ça va être pour les énergies de l'amour, des énergies des sentiments amoureux pour vous? Pour vous, aujourd'hui. Pourvu que ce soit une belle carte. On va voir. Hop, je coupe puisqu'il n'y en a pas tombé. Ah, cadeau inattendu. Voilà. Cadeau inattendu. Donc le cadeau inattendu, ça va être une offre, évidemment, mais une offre matérielle, d'accord? Donc le cadeau inattendu, ça peut être, par exemple, puisqu'on va parler d'amour ici, ça peut être une bague, par exemple. Ça peut être quelque chose vraiment qui va vous sembler magique, quelque chose qui va vous sembler mac. Quelque chose qui va vous sembler, qui va vraiment vous faire plaisir. Non seulement ça va vous faire plaisir parce que, ben quelque part, vous allez être surpris ou surprise d'avoir tant d'importance pour la personne qui va vous faire ce cadeau. Voilà, tout simplement. Donc, vous allez vraiment recevoir un cadeau. Enfin, non. Alors, ici, ce sont des énergies. Donc, les énergies... C'est pas votre tirage non plus, donc ce sont les énergies. Donc le recevoir un cadeau, ça peut être aussi ici, puisqu'on est vraiment dans un grand tirage, pour tous ceux qui regardent la vidéo, évidemment. Donc ça peut être, oui, un cadeau, bien sûr, ça peut être ça. Ça peut être une bague de fiançailles, mais ici, j'ai envie de dire, ça peut être aussi autre chose qu'un objet. Ça peut être aussi quelque chose de valeur, mais ça pourrait être des paroles. Donc des paroles inattendues, des paroles que quelqu'un va vous dire. Peut-être par rapport à l'amour, peut-être par rapport à l'amour, par rapport à la passion, par rapport à ça, mais ça peut être aussi des paroles gentilles, par rapport à donc, une flatterie, par exemple. Une flatterie, une gentillesse, voilà. Quelque chose vraiment qui va vraiment vous faire plaisir, tout simplement. Ça peut être aussi quelque chose de valeur, vraiment, réellement. Donc ça peut être aussi... une montre, j'espère pas pour vous, parce qu'en général, quand on offre une montre, c'est signe de rupture. Non, ça, c'est moi qui le dis. C'est moi qui le dis. Pour les chaussures. J'y crois quand même, ça. Donc, voilà. Donc, mais sinon, bah, moi, comme m'offrirait une Rolex, je la prends quand même. Tant pis. Donc voilà, les énergies pour vous, donc qu'est-ce qu'on avait? Oui, donc aujourd'hui, donc vous devez être sur la défensive, vous allez avoir l'impression d'être sur la défensive. Vous allez vraiment vous sentir sur la défensive d'ailleurs. Peut-être par rapport à un projet que vous avez fait, ou quelque chose que vous avez créé et qu'on va essayer de vous piquer pour se l'approprier, pour s'approprier le mérite de cette chose-là. Voilà, et en plus, par rapport à l'amour, vous allez recevoir quelque chose que vous n'attendiez pas, ou que vous n'attendiez plus, mais en tous les cas, c'est quelque chose d'inattendu.
Donc voilà, mes amis, je m'excuse de m'asseoir ici, je ne m'affale pas sur la chaise, mais vous savez pourquoi je fais ça. Parce que j'ai pas le choix, malheureusement. Voilà, mes amis, je vous fais des bisous, j'essaie de ne pas dépasser les 10 minutes, enfin de rester aux alentours des 10 minutes, parce que voilà, je sais que pour certaines personnes, il y en a qui préfèrent que ce soit vite fait, comme ça elles ont le temps de regarder ça avant de partir travailler, mais elles n'ont qu'à se lever un peu plus tôt aussi, hein. Non, je rigole. Bon, allez, je vous fais plein de bisous, et puis je vais faire comme ça c'est plus beau. Bisous. Passez une belle journée. Oui, vous voyez, il sait bien qu'il va aller faire pipi. Il le sait. Bisous.